Et re à tous les amis, bienvenue pour ce deuxième épisode sur la série Dead Rising. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous les avez tous tués? Vous êtes là depuis longtemps? Vous avez pas vu une journaliste appelée Vic? Oh, si. Si, elle s'est planquée ici pendant un moment. Elle a laissé des affaires. Vous pouvez y jeter un œil? Edith, je vous dois une fière chandelle. Je dirigeais une boutique ici jusqu'à ce que quelqu'un laisse la porte principale ouverte. S'il vous faut un truc, passez me voir. C'est l'écriture de Vic sur le mur. Ça doit être là. Il y a plein d'armes, je trouve plein d'armes intéressantes, mais mon inventaire est plein. Moi, j'aime bien ma petite hachette. Il faut le mot de passe. Donc laissez-moi deviner, faut faire ça. Ça. Ah non. Ah bah non. Il faut un mot de passe. Explorer la planque de Vic. Non. Voilà. L'entrée principale. Regardez-moi ça. C'est du matériel militaire. Je dirais que Vic s'en servait pour transférer des rapports. Qu'est-ce qui peut rester à checker? Merde, elle est pas venue depuis des semaines. Pas terrible. Comment je zoome déjà, LT. C'est pas ça qu'il faut que je prenne une photo? Ah, c'est ça peut-être, attends. Ah non. Crétin. Allez, Franck. Non. C'est nul. Ouais. Pas bon, ça. Pas terrible. Allez, Franck. Je comprends pas, là. Ah. Sympa. Donc, l'épidémie a débuté à l'entrée principale de la galerie. Et d'après Connor, les paramilitaires gardaient l'entrée. Je vais devoir aller voir ça de plus près. Ouais, c'est dur. Mais j'ai mes fournisseurs. Mais non. Je vous ai entendu parler. Si vous allez à la porte principale, passez par le parking et allez jusqu'à Medieval Town. Les autres chemins sont tous bloqués depuis l'arrivée des soldats. Faites quand même gaffe. Ces crétins avec les masques à gaz ont bâti une sorte de fort à Medieval Town. Si vous y allez, préparez-vous à vous battre.
Faites des réserves tant que c'est possible. C'est noté. On peut sûrement s'entendre. Ouais, bon, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, je pense. Bon, ben, on va continuer l'aventure. Hein ? Vous désirez quelque chose ? Ouais, ça vous sera sûrement utile. Ouais, fallait sûrement que j'achète cette carte-là. Ah, les autres sont pas données. Oh putain, les cartes sont pas données, enfoiré. D'être à l'abri ici. Un armurier ? Vous allez quand même pas repartir les mains vides ? Un armurier qui vend pas d'armure, dommage. Bon, on verra plus tard ça. Je vais essayer, mon ami. Je suis au taquet en soin, là, je pense. Ah, un zombie. Attends, comment on frappe, là? Je peux plus frapper, qu'est-ce que c'est délire? Pourquoi je peux plus frapper? Bah... On peut pas se battre ici, il y a un zombie, c'est quoi ce délire? Il faut se défendre. Je peux pas frapper moi ici. Alors j'ai verrouillé un truc, je sais pas ce que j'ai foutu mais. Il fait quel temps dehors ? Ça, on va le voir tout de suite. Ah, ici je peux. Donc d'accord, donc dans la pièce d'à côté, il peut y avoir des zombies, mais on peut pas se défendre. N'importe quoi. Ouf, il était derrière moi, j'ai shooté quand même. Ah oui, donc il mélange un peu à côté de Dead Rising 3 en même temps que les autres. Ça se présente plutôt on mal. Peut accéder à l'extérieur des surfaces. Donc du coup... Donc du coup, c'est... Il meurt toi. C'est... On peut accéder à l'extérieur. Donc du coup, on va sûrement pouvoir conduire des gros véhicules aussi à un moment donné. Et voilà, un Dead Rising 4 qui se passe pas dans une galerie marchande. Pour moi, c'est pas Dead Rising 4. Voilà, c'est ça le but du jeu, de te défendre avec tout ce que tu trouves, des trucs aussi rigolos. Soit des trucs efficaces comme des haches, des épées, soit des trucs rigolos comme, je sais pas, un sextoy, des trucs comme ça, quoi. C'est ça, un Dead Rising. Et j'ai pris cher, là. Putain, je suis à peine sorti du truc, j'ai perdu la moitié de ma vie. Nouveau survivant. Il est où le survivant? Il est où le survivant? Attendez les gars, je suis censé avoir un nouveau survivant dans le coin. Bah non, y a pas de survivant. Normalement, il y a un truc pour voir les survivants normalement.
Dans les anciens, il y avait ça. Alors... Non, je trouve pas. Oh oh. Cher. Vas-y, on va avancer parce que j'ai pas de super arme là. Heureusement que j'ai pris pas mal de soins. Faire des espèces de rapports. J'ai trouvé le premier. Je vais vous le lire. Ah, on a déjà des trucs débloqués. Premier jour. Willamette est perdue. Épidémie à grande échelle. Il y a des hordes partout. Des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Ces pourritures de paramilitaires ne sont qu'une pièce du puzzle. C'est le gouvernement qui a fait le coup. Et quand je le prouverai, quand je démasquerai ceux qui tirent les ficelles, eh bien... peut-être que je vais convaincre Monsieur Frank West que le journalisme n'est pas qu'une question de gros sous. Ça date d'il y a un mois environ. Merde! Il y a beaucoup d'avance sur moi. Je vais essayer d'en trouver d'autres. En attendant, regardez si vous ne trouvez pas ce genre de terminaux. Terminé. Ah, un petit fusil à pompe. Je prends. Bon, discrétion avec ça, c'est un peu zéro. Hein. Teste les coups spéciaux de toutes les armes. Bon, il y a des coups spéciaux qui se ressemblent, c'est normal. Déjà, ils ont mis des coups spéciaux pour les armes basiques, ça c'est cool. On va pas se plaindre, comme je disais dans la précédente vidéo, avant il y avait des coups spéciaux que pour les armes qu'on crée en fait. Pour les armes spéciales, du coup. Le mec qui tire, hein. Il est où? Ah, je trouve un plan. Pas un plan. Attends, je vais aller voir qui c'est qui tire là-haut. Bonjour.
Ah, vous êtes pas des amis, vous êtes pas des... on se calme en fait. D'accord, c'était pas des survivants. Hein. Moi je veux le fusil d'assaut là. Voilà, merci. Ah, ce jeu est vraiment, c'est vraiment un défouloir quoi. Ce jeu est défoule tout au point. Oh là, attends. J'ai pas toujours. Voilà. Non, là c'est soin. Là c'est cocktail molot. Oh bah pas mal ça. Et non. Ils sont en train de m'aider, j'ai l'impression. Là. Oh, alors, c'est encore des pillards. Dès qu'il m'a quitté tirer. Ça tire, mais je sais pas où. Ah là, il y a une espèce de survivant là. Ah non. Ah, c'est survivant, mais survivant hostile, d'accord. C'est leur nom. Il y avait un casque là. On peut pas ramasser son casque, dommage. Ah, c'est dommage. Alors les survivants, ah, point bleu, j'allais dire. Il y a un point bleu là-bas. Ah, il y a deux points bleus même. Allez, sauver celui-là en premier. Et ça, c'est cool qu'ils aient remis les survivants à sauver, quoi. Parce que dans l'autre, meurs toi. Dans l'autre, comme je disais, c'est vous pouviez pas sauver les survivants. Vous pouviez juste, enfin, vous pouviez les sauver, mais vous ne pouviez pas les garder dans un abri ou autre. Ils sauvaient quoi. Ils sauvaient puis ils disparaissaient, basta. Non, mort de rire. La jambe maintenant. Ah non, il est mort. Ouais, alors il est où le survivant là? Alors là il y a un survivant mais je sais pas comment on y accède. Désolé, j'ai cru que c'était un méchant. Donc là il va y avoir encore un survivant. Un maniaque qui est proche. C'est quoi ça? Niveau 11 atteint. Ah non, ça... En fait, les points bleus, c'est pas forcément des survivants hautes, c'est des trucs importants, j'ai l'impression. Oh, un fusil d'assaut, ça m'intéresse, puis celui aussi. Un cintre un peu moins.
Est-ce qu'il y a des fringues essayées ici? Non. Alors j'espère qu'ils vont pas... J'espère qu'on pourra trouver quand même des trucs intéressants gratuitement. Et qu'on va pas être obligé de faire de l'argent à chaque fois pour aller acheter au marchand. Ça serait vraiment dommage. Hein. Parce que moi j'aimais bien me servir sur place. Historique des faces de cul était en ville. Qu'est-ce que vous venez de me dire? Eh ben, si la reine Sandra est aussi consanguine qu'elle en a l'air, c'est tout à fait mon type de femme. Ça va se payer. Pourquoi? Pourquoi? Ta mère était une hyène et ton père sentait des sous-bras. Ouvrez! Je vais aller donner une leçon à ce vieux con! Est-ce qu'on peut voir son armure? Hé! Hey, bûcheron en fer blanc! C'est pas moi le méchant dans l'histoire! Sosgat! Non, une épée, je veux une épée. Oh. Non. Oh, j'ai pas fait attention à ma barre de vie. Oh, le boulet, j'ai pas fait attention à ma barre de vie. Oh, le boulet. Ah non, le boulet. J'aime bien jouer les jeux de façon. Hey, ah bah ça va. C'est bon, pas moi le méchant dans l'histoire. Ah c'est cool, il m'a remis là. Hey, par ici la marchandise. Ah, faut toujours garder des armes à feu sur vous. Pour vous faire les humains quoi. Parce que les zombies, autant que les zombies, faut les attaquer avec les armes blanches. Autant que les humains. Eh bien, ils sont casse-couilles. Yeah, je suis un putain de paladin, mon pote. On peut pas contrer? Non, on peut pas contrer. Moi, je viens de voir une espèce d'épée Excalibur quelque part. Là. J'ai pas halluciné, hein. Putain, je me rappelle dans le main quand on trouvait une hache ou une épée, on était super contents. Enfin, il y avait une boutique qui vendait des haches et des épées. Mais à chaque fois, on est obligé d'y retourner. Et là maintenant on trouve tout ce qu'on veut, tenez deux secondes quoi. Là je viens de voir une épée style Excalibur de planter. J'ai rêvé ou? Bon, j'ai dû rêver. Crève charogne! Vous êtes pas un peu trop vieux pour vous déguiser? Ok, je veux seulement passer. Vous êtes barge, les gars. Oh là là là, c'est un glaive, ça. Un sacré glaive, dis donc. Armure de chevalier. Oh ouais. Oh, ça, c'est bon. Oh, ça, je kiffe. Ah oh, ça je kiffe, ça y est, je suis un putain de paladin mon pote.
Bon, on visite, hein, on n'est pas pressé, hein, il y a juste quelques zombies qui veulent nous bouffer, donc... On est habitué, hein, ça fait des années qu'on tue des zombies. Parce que lui... T'es à coup de main, toi. Ouais, une connerie deux fois. Ah bah je l'ai zigouillé, mais je crois que c'était un mec hostile de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce magasin? Ah, la tête de Bianca. Oui, oui, c'est bien ce que je disais, ça sert à rien d'acheter dans le... Les survivants qui vendent des objets, ça sert à rien de leur acheter quelque chose, que vous pouvez tout trouver en fouillant, quoi. Oh, oh. Ah bah je l'ai eu. Ah non. Là-dedans, il n'y a rien de bien intéressant. Mais je vais refaire un petit saut dans le magasin d'avant pour m'équiper avant le boss qui risque d'avoir. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de un petit fast-food, un truc comme ça dans le coin? J'ai rien à viser avec cette arbalète, moi. Donc là, c'est juste des casseroles. Ah, de toute façon, en soin, je suis au taquet. Alors, vous voyez ce qui est bien par contre dans celui-là aussi. Bah, attendez. Ce qui est bien dans celui-là, c'est qu'ils ont. Ils ont dissocié le. L'inventaire de soins et l'inventaire d'armes. Et je crois qu'ils ont même dissocié l'inventaire d'armes à distance et l'arme de mêlée. Donc, c'est plutôt pas mal. Celui-là quand même. On peut même changer de casque. Ah, un casque en or. Frank West, l'empêcheur de tourner en haut. Yeah, oh, je suis le roi Arthur, mon pote. Ah, mais ça le fait pas trop. Allez, rends-moi ça. Le défenseur de la vérité est le sauveur de Willamette. Ah merde, j'ai gardé ce visage-là. Ne craignez rien, citoyen. Ah merde, j'ai gardé ce visage-là, bon, c'est pas grave. Une rapière, une hache. Ah, une hache. Stylée la hache, mon pote. Allez, selfie. Bon allez, on va se faire le boss. Oh, le boss a bougé de place d'ailleurs. Ah oui, on peut courir, c'est vrai. La touche courir est mal placée, je trouve, mais... C'est un détail. Ouais, pas de survivants. Hein. Oh putain, on voit Je suis censé être intimidé par des tarés comme vous, parce que je le suis un peu. Non, soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi. Oh non. Oh là 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 là, oh, je suis un boulet, il faut que je...
Je vais garder mes armes à feu pour le boss. Fer blanc. C'est pas ils là. Ah, ils me remettent là, mais avec l'armure. Prends ça, face de cul. Mais non. Je vais pas le premier. Et je veux pas utiliser ça non plus. Putain, mais pourquoi il utilise... Ah, parce que j'appuie sur RT, le con, et d'appuyer sur A, tout simplement. Ah bah elle est là, Excalibur, j'avais vu tout à l'heure. Voilà, je sais bien que je t'avais vu, mes mères. Ah bah tout à l'heure, il y a eu un bug, elle a disparu. Impossible de prendre cette épée sans exosquelette. Cela voudrait-il dire qu'il y a une espèce d'exosquelette dans le coin? Je suis un boulet, ça fait 3 fois que je meurs ici, putain, le jeu est pas si dur, bordel. Je vais trop vite, en fait. Voilà, parce que comme je suis mort une fois, j'ai envie de rattraper mon retard, et du coup, je fais de la merde. Donc voilà, donc là, déjà, je vais essayer de pas user mon flingue contre lui, là, tout à l'heure. Voilà, on va laisser venir, hein, on va pas se presser. Suppuie-moi. Rien de difficile, hein. Il viendra pas. Allez, viens là. Là, comment j'avais fait l'arme spéciale tout à l'heure? Donc là, il y a un exosquelette dans le coin, donc ça veut dire. Hein. Il arrête pas de me parler d'exosquelette depuis tout à l'heure, quand on est en chargement comme. Vous êtes pas un peu trop vieux pour vous déguiser? Dit-il alors qu'il est divisé. Ah, donc on garde la vente, on garde le niveau, l'expérience accumulée et l'armure qu'on a changée jusqu'au checkpoint. Ça c'est pas mal. Ah, il y a du soin ici, tout. Voilà, faut pas que j'aille trop vite. Ok, ok, je veux seulement passer. Vous êtes barge, les gars. Ah putain, il y en a là aussi. On va tout vider tranquillement, on va prendre son temps. Il y a du soin au taquet ici. Enfin, au taquet peut-être pas, mais il y a du soin. Je vois à peu près c'est quoi un exosquelette, mais j'aimerais savoir à quoi ça ressemble chez eux.
Ça peut être un truc super fun qui sert de... d'exosquelette. À mon avis, il y a un exosquelette ici, toi. Obligé. Ça n'arrête pas de m'en parler et tout, c'est qu'il doit y en avoir un caché. Qu'est-ce qui pourrait servir d'exosquelette? Bonne arme au moins. Je fouille, hein, je prends bien mon temps. Elle m'aura pas deux fois la cocotte là-haut là. Moustache de major. Allez, ah, jolie moustache. Mais non. Ça me grossit pas le visage. Yeah. Ah, il est pas mal sans casque aussi, hein. Ouais, je préfère l'autre. Ça gratte un peu. Moi, ouais, non, pas terrible. On va chercher une petite barbichette. Ah, je veux les lunettes. Bon, on verra plus tard. Je suis censé être intimidé par des tarés comme vous. Parce que je suis un peu. Oh. Ah, j'ai gardé ça pour toi, ma petite. Putain. Facile du coup. L'apocalypse s'il n'y avait pas quelques barjots. Oh, j'aime bien ça. Ah, c'est bien foutu les ombres ici. Ah,
Ok, Franky, okay. Tape le code alors, après que la porte soit ouverte. Vic avait l'air de penser que l'épidémie a débuté à l'entrée principale de la galerie. Je vais jeter un œil. J'ai envie de la garder pour plus tard, cette arme, moi, quand même. Pour un petit boss ou autre. Oh, oh génial. Wow, il se passe un truc énorme. Mise à jour, nettoyer la zone. Quelle zone? Ah, la zone là-bas. Pas de survivants, que dalle. Allez, on va aller, on va progresser. On joue pas avec les armes à feu. Putain, y'en a combien? On peut faire un temps mort. Juste un instant. Ah bah lui il a un exosquelette par exemple. Merde, ils ont dit quoi en bas? Lors d'un combat avec des ennemis avec sardines lourdes. Je sais pas ce qu'il a dit, j'ai pas pu lire. Ça va se planquer. J'ai pas l'impression que ça lui fasse quelque chose. Ah si, y'a plus de vie. Est-ce que je peux avoir ton armure, mon pote? Non. T'as pas ramassé l'exosquelette? Putain! Vas-y, j'en veux un, moi, d'exosquelette, là. Tous ceux qui connaissaient le code d'accès. Oh, c'est un peu relou de voir à chaque fois prendre la... J'en reviens pas de l'utilité de ce filtre. Donnez-moi un exosquelette. Mais non. Mais non. Voilà. Merde, j'hallucine. Qu'est-ce qui s'est passé ici?
va trouver Frank West ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, peut-être dans cette tente. Attends les amis, je fais une petite pause de 15 secondes. Oui, oh, désolé. Carte magnétique, ça doit être ça. Ces gens devaient tous faire la queue pour les soldes du Black Friday. Finalement, ils auront payé le prix fort. Enfoirés de soldats enquêtaient sur ce qui s'est passé ici. C'est pas l'œuvre des soldats, et sûrement pas celle des zombies. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Bon, il y a un mec d'enfermé. Dégage d'ici!
Du calme, mon gars, il y en a pour tout le monde. Hé, hey, toi, c'est ma scène, casse-toi. Oh, vous êtes Frank West, le héros de Willamette. Moi, c'est Darcy. On devrait travailler ensemble, vous savez. Partager l'histoire. Ok. Non, mais sérieux, hein. Hé, faut que vous rencontriez ma copine. Mon éditrice, je veux dire. Paula, elle dit podcast hyper populaire. Elle enquête sur les gars d'Obscuris depuis des semaines. Obscuris, c'est le nom de ce groupe? Ouais. Paula, c'est sur eux. Tu sais quoi? J'aimerais bien rencontrer ta copine, en fait. Où je peux la trouver? À la mairie, dans Old Town. Ah ouais, allez lui parler, hein. J'ai hâte de voir sa tête quand elle saura que Frank West travaille pour nous. Oh putain! Ouais, ça serait vraiment génial. Au revoir. On peut le buter, mais on peut pas. Eh ben, Willamette, tu n'en finiras jamais de me surprendre. Ce type-là, Brad Park, directeur de la ZDC, annonce qu'une épidémie vient d'éclater à Willamette, et la petite Vicky Chou est déjà sur place pour couvrir l'affaire. Mon affaire. Bref, on survole Willamette, boum, on se prend une roquette. Très vite, j'apprends deux choses. Primo, ça fait plusieurs foutues semaines que Vic est là. Elle enquête sur un groupe paramilitaire et des événements à l'entrée de la galerie marchande qui, et j'en viens à mon deuxième point, se révèle être la chose la plus atroce, répugnante et étrange que j'ai vue de ma vie. Des images qu'il est inconcevable de publier en une, pour la plupart des canards. Bref, les obscuristes ne sont pas tout seuls en ville, mais ils font pas dans l'humanitaire non plus. Alors en route pour Willamette. Je découvrirai peut-être ce qui mijote et qui tire les ficelles. Je croise les doigts. Il a 52 balais quand même, hein, pépère. Ah, ça se passe 16 ans le premier, il avait 42, ouais, c'est ça. Allô? Il a pas changé. West, le sauveur de Willamette? Oui, mais on le mec, il a pas changé en 16 ans, quasiment. Ou Frank qui? Moi, c'est Paula, comme dans l'évangile des zombies, selon Paula. C'est mon podcast sur les zombies. Darcy m'a filé votre numéro. Oh, d'accord. Donc, il paraît que tu as quelque chose pour moi. Retrouvez-moi au service des archives de la mairie. La porte est derrière. Venez seul, Frank. D'accord? Bon sang, mes fans sont dérangés. Il reste un truc ici, hein. Ah oui, bah c'est le plan qui est verrouillé, putain. Comment on les déverrouille, ces trucs? Il y a quelque chose dans ce camion. Trop peu de zombies. Pas l'impression qu'il y ait grand chose d'intéressant, mais bon. Ah, ça me plaît bien, petite hachette là, mais. J'ai mieux. On peut fouiller les coffres. C'est bon ça. T'as où ta kit de soins et tout? On va pas tous les ouvrir parce que je sais pas si ça reste ou si ça disparaît. Hé hey, vous, venez, j'ai besoin d'un coup de main. Salut, je suis un mec qui se bat avec une armure, une arme dans un truc en fait ces zombies. T'as grand pensé à moi? Il doit y avoir un million de zombies là dehors et je vais devoir leur rouler dessus. Vous pouvez m'aider? À faire quoi? On va
se montrer créatif. Vous pouvez prendre ce plan? Allez, assemblons ce petit bijou. Positionner deux véhicules l'un à côté de l'autre. Ah! Waouh! Vous avez jamais fait ça, pas vrai? Ah, j'ai pris mécanique juste pour rencontrer des filles. Bon, je crois que je m'en tirerai mieux toute seule. Allez, tentez votre chance. Merci. Pas grave, je vais vous ouvrir la porte. Autant aller à la mairie avec classe. Ah, voilà, ça c'est ce que j'aime bien. Ce que j'aime moins. Voilà, ça va. Là, on va. Voilà, on va rentrer dans une grande ville où. Où ça va être désert et plein de zombies, quoi. Là, je vais moins aimer ce passage-là. Moi, je vais être bien dans le centre commercial, moi. Alors, comment on tire? Comme ça. J'espère qu'on va se retrouver dans un autre centre commercial juste après. Ça peut valoir le coup. Ferme la ferme. Voilà, là ça ressemble au 3, vous voyez. Le 3 c'était ça en fait. Vous aviez pas de centre commerciaux comme dans le début du jeu du 4, mais vous aviez que ça quoi. Vous voyez, c'est vide. Y a rien à faire quoi, c'est juste des rues comme zombies. Et vous y allez d'un point A à un point B et construire des 2-3 véhicules de temps en temps pour vous amuser à les écraser quoi, c'est tout. C'est beaucoup moins fun que des instants commerciales et s'éclater tout ce que vous trouvez quoi. Et là c'est ce que les gens veulent maintenant. Des grands trucs vides. Mais long à explorer, les quoi, voilà. Les étaient bien là, mais ils sont partis en quatrième vitesse. C'est ça qu'ils veulent, les jeunes, maintenant, voilà, dans leurs jeux vidéo. La porte est derrière. Bon, tu peux descendre, Franck, s'il te plaît. Merci. Voilà. Ah, je pense qu'on va rentrer de nouveau dans un grand entrepôt, là. Ah non, même pas. Franck, par ici. Salut, Whoopi. C'est la copine de Darcy, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis son éditrice. Et c'était un grand avant-poste d'Obscuris, il y a encore 40 minutes. Une minute, t'es pas là? T'avais pas du tout la même voix à la radio. Ah ouais, c'est mon personnage. Ton personnage? Ouais, j'ai réalisé que personne ne m'écoute si je hurle pas tout le temps. En plus, c'est assez amusant. Bon. Si vous êtes prêt à m'écouter, vous devriez peut-être fouiller pour voir ce qu'Obscuris fichait ici. Je vais faire ça. Merci. Un message de Xbox Live? Non. Ok, c'est de la pub. Je me demandais ce que c'était. On voit que dalle là-dedans.
qu'après ça, ils ont un avant-poste de reconnaissance en haut du drugstore de Dodd. Et ils font la reconnaissance de quoi, au Ah, il n'y a rien là, c'est trop loin. Voilà qui est intéressant. C'est un petit peu chiant les petites recherches comme ça par contre. Ah, haute vision requise. Voiture renversée, voiture sur le toit, t'as une idée de ce que c'est? Une bite de dégâts. Et Obscurus la suivait. Intéressant. Obscurus a fouillé ses classeurs à tiroirs, on dirait. Les classeurs à tiroirs ont été vidés. Et peut-être qu'ils ont raté quelque chose. Classeurs à tiroirs ont été vidés. Et peut-être qu'ils ont raté quelque chose. Oui, j'ai compris, Franz. Qu'est-ce que t'appelles des classeurs à tiroirs, déjà? Ils ont fouillé ces classeurs à tiroirs, on dirait. Les classeurs à tiroirs ont été vidés. Et peut-être qu'ils ont raté quelque chose. Ouais, je veux bien, mais à part ça, qu'est-ce que t'appelles des classeurs à tiroirs? Les classeurs à tiroirs ont été vidés. Et ils ont raté quelque chose. Ah. Oh ouais. Les archives des égouts et de l'assainissement ont disparu. Les égouts descendent très profond. Qui sait ce qui rôde là-dessous? Ils cherchent quelque chose. Quelque chose de très dangereux. Tu sais quoi sur cet avant-poste au Dodd's Drugs? Il y a un sniper posté là-bas depuis des semaines. Ok, je vais aller voir ça. Bonne idée. Je dois vous dire, les 512 abonnés de mon podcast vont sauter au plafond en apprenant qu'on travaille ensemble. Ouais, je les comprends. À plus tard. Ah, une minute. Ouais, je les comprends. À plus tard.
Oh, nous roulons en ville. Salut, Brad. Nos amis mercenaires se font appeler Obscurus. Ces types changent souvent de nom entre deux opérations. Mais je vais me renseigner. En parlant d'opération, ils doivent mener une chasse à l'homme. En tout cas, ils traquent quelque chose. Soyez vigilants. Entendu. Voilà le Todstrut. L'avant-poste doit se trouver au deuxième étage. Il reste plus qu'à l'atteindre. Je fais un petit carnage là. Qu'est-ce qu'il y a à 110 mètres? Attends, il y a un truc à 105 mètres, on va aller voir. Sûrement un survivant. Pas qu'on est dans le bâtiment, ça commence à me saouler. D'accord, ça va d'un flingue ici, c'est pas le bon plan, ça rameute tout le monde. Il y a un immeuble, mais je sais pas comment on entre dedans. Je suis... Voilà, voilà. J'arrive mon pote. Ah bah là c'est une zone marchande. Voilà. Sûrement ça. Ah bah toutes les zones marchandes se ressemblent. Là il y a une salle de muscu tout comme dans la première. Oh bah oh, alors s'ils ont fait ça ils ont abusé là par contre. Aidez-moi, pitié. Allez j'arrive, j'arrive. Ils sont où? À chaque fois, je les trouve pas. C'est fermé, c'est quoi cette connerie? Attends. Ah, ils sont là. Aidez-moi, pitié! Il y a quelqu'un!
Eux, ils sont à l'abri, d'accord. Ah, je suis pas allé voir en bas. Je suis pas allé voir en bas. J'ai fait que le haut. Sans équipement. Ah, puis ils me revendent ce que j'ai trouvé en fait. Ah non, ils revendent ce que j'ai pas trouvé et ce que j'ai effectué, c'est ce que j'ai déjà, d'accord. Il vaut des réfugiés de. Ah putain, ils sont stylés les tatouages. Attention à vous. Vous voulez survivre, non? Vous ferez pas long. Hey, ouais, les véhicules, ça m'inquiète. Les véhicules, ça m'inquiète pas spécialement. N'hésitez pas. Ça m'intéresse pas spécialement, je veux dire. Faites bien attention à vous. Champ d'aliments, ça va, j'ai ce qu'il me faut. Non. Allez, toi, je m'intéressais, dommage, je peux pas les acheter. J'ai trouvé une clé pour aller, je sais pas où. Comment? J'allais dans ce bâtiment. Ah non, ouais, je crois qu'il y avait un bug, mais non, pas tellement.
c'est bien par là qu'il faut aller, hein. Et là et en haut. Je présume qu'il faut faire ça. Et voilà, et ça. Bordel. C'est des zombies qui ont fait ça. Enfoiré. Comment ils sont montés? Bon, qu'est-ce qu'on a là? Ça sera très utile pour mon dossier. Ou un revolver. Ah, je l'ai pas vu lui. Bordel. Ça peut pas être l'œuvre d'un zombie. Du moins j'espère. On a un passionné de photos, donc sûrement une photo à prendre, une photo. Du tranquillisant pour le gros gibier. Certaines boîtes sont vides.
J'ai un peu de mal à identifier le sujet. Je sais pas ce qu'ils chassent, mais ça les chasse aussi. Repliez-vous, c'est un ordre. N'attaquez surtout pas. On dirait qu'ils affrontent quelque chose. Je me demande s'il y a moyen de les écouter. Abandonnez la mission. Je répète, abandonnez la mission. Repliez-vous tous à la caserne. Il faut se regrouper et se rééquiper. On est coincé. On va pas. Putain de merde. Si vous êtes toujours en vie, rejoignez la caserne. Je répète, repliez-vous à la caserne. Tout de suite. Qu'est-ce que vous pourchassez ? Bon, je crois que je connais ma prochaine destination. Salut, c'est Paula. Pendant que tu y es, j'ai besoin que tu vérifies quelques histoires pour le podcast. Si jamais je passe pas loin. Je t'envoie ce que j'ai. Lance-toi, poutre, Franck. Va chercher l'histoire. Trouve la vérité. Je t'appelle plus tard. Comment on sort là-dedans ? Ok, il a l'air démoniaque lui. Je sais pas du tout par où on sort. Ouais, c'est bien par là. Voilà. Impossible de soulever un truc pareil. Je suis pas parti de quand on a l'obsosquelette, mais j'ai hâte de l'avoir. Putain, salope. J'avais une arme dans le temps ici, moi. Une voiture, je veux dire. Ok, ça c'est des voyous. Ouais, c'est démerdé. Un événement proche.
pas au bon endroit. J'ai pas vu elle. Ah ouais, il part en couille quand il est blessé. Voilà. Bon, j'ai trouvé un peu d'équipement. Allez, on a continué, France, hein, continue. Merde. On va y aller dans 10 minutes. Il y a un homme d'obscurice ici. Quelque chose a dû les faire fuir. Mais ils sont partis où ? Ouais, ils ont mélangé un peu le monde ouvert et le monde fermé. Et c'est pas plus mal en fait. Parce que dans le 3 en fait, il n'y avait pas de grands entrepôts comme ça. C'était vraiment, ça tout se passait dehors quoi. Ouais, pas me battre avec un... Merde. Je voulais pas prendre de soin. Voyons ce que contient cette caisse. Ah bah voilà. Alors, Franck, es-tu assez responsable pour utiliser ça? On s'en fout. Ah ok, on peut pas le garder longtemps avec ce squelette. Bah, c'était censé être un point de repli pour les troupes d'Obscurus. Alors, qui a amené tous ces zombies ? C'est un peu relou par contre ce truc d'enquête là. Un tout petit peu de trop quoi.
Ouais, bah en fait, on le garde pas longtemps, l'exosquelette. Donc, comment on fait pour chercher les. Chercher les trucs qu'on a besoin, genre. Oh merde, pourquoi je me suis soigné? Oh, je vais me débarrasser de ce truc-là, je sais pas comment on fait. Prendre d'autres choses. Voilà. Mais non. D'après ça, plus de 100 soldats ont péri en chassant cette chose. Putain. Quatre avant-postes. La mairie, l'appartement du drugstore, la caserne de pompiers et la casse. Comme une mouche étoilée. Quelque chose lui a dévoré la figure et l'a pendu là. Il faut que j'aille à la casse. Quoi que soit cette chose, elle a une sérieuse dent contre Obscurus. Bon, mais les amis, on va s'arrêter là pour cette deuxième vidéo. Moi, j'ai 2-3 trucs à faire. Et après... Et après, bah, je reviendrai pour re-geeker avec vous. Allez, ciao, à plus.